pour clôturer cette soirée des champions des armées, j'invite le général Paul Sanzé, officier général, commissaire interarmé au sport militaire et commandant du Centre national des sports de la défense, mais donc à clôturer cette soirée, mon général. Merci, mon capitaine. Je voudrais, avant de prononcer des mots de clôture, remercier le capitaine Ray qui nous a fait vivre une soirée extrêmement dynamique, ainsi que tous ceux qui ont préparé cette soirée, donc l'équipe de com du CNSD, mais aussi la direction technique des sports militaires, le bataillon d'Antibes, le bataillon de Joinville, bref, tout le CNSD qui œuvre dans l'ombre, mais pour la bonne cause. Je crois qu'on peut les applaudir. Vous l'avez vu, cette soirée s'est terminée sur le projet du village des blessés. Donc c'est vraiment pour nous un projet très emblématique parce qu'il va mobiliser nos forces pour les années qui viennent. Et à partir de 2025, ce village de blessés qui sera sorti de terre permettra d'accueillir dans des conditions plus favorables à la fois les blessés et nos familles, et leurs familles, qui sont aussi les nôtres. Ce que je voulais dire, c'est que cette attention aux blessés, c'est vraiment dans l'ADN des armées françaises. C'est le pendant, le juste pendant d'une armée d'emploi qui paye le prix du sang et qui s'engage sur les théâtres d'opération partout où la France doit être présente. Je vous propose d'avoir une pensée pour eux, ainsi que pour nos camarades tués en opération ou en mission au cours de cette Marseillaise que nous allons chanter ensemble pour clore cette soirée. Bravo.